Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Vite, plus vite, encore plus vite, toujours plus vite. Dans son évolution, l'homme a réussi à se désynchroniser de l'échelle du temps. Ne se souciant plus des saisons, le seul rythme donnant le tempo à son existence est celui de l'organisation humaine centrée autour du travail. Alors qu'attendons-nous pour accélérer une fois de plus la cadence ? Qu'attendons-nous pour vivre l'expérience unique, la promesse d'un avenir technologique incroyable, la promesse de la 5G? À travers la planète, la 5G préfigure un monde ultra connecté où chaque objet autour de moi pourra me restituer une expérience unique par la compréhension qu'il aura de mes données personnelles. Cette amplification de la réalité virtuelle dans nos vies personnelles ouvre le chemin de nombreuses dystopies déjà rencontrées au cinéma. Entre aficionados et amish, la lutte a commencé, la révolution numérique arrive. 1, 2, 3, 4, 5, réseau. La 5G correspond à la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Rappelez-vous vos opérateurs vous proposant la 3G ou bien encore la 4G comme gage de qualité pour votre navigation Internet. Elle donnera accès à des débits dépassant de deux ordres de grandeur la 4G, avec des temps de latence très courts et une haute fiabilité. À terme, cela signifiera 1 million d'objets connectés au réseau au kilomètre carré, soit 10 fois plus que la 4G. Dans ces objets, imaginez-vous un véhicule, un simple grille-pain ou encore une moquette intelligente dévouée à vos désirs immédiats d'enfants capricieux et feignants. Imaginez le nombre de débouchés dans ce secteur. Un débit de télécommunications mobiles de plusieurs gigabits de données par seconde. 1000 fois plus que les réseaux mobiles employés depuis 2010 ou bien encore 100 fois plus que la 4G. Considérée comme une technologie clé, elle répond à la demande croissante de données avec l'essor des smartphones et objets communicants dans un environnement domotisé. Il faut y voir ici le concept de ville intelligente. Ce rêve de monde connecté est-il seulement viable ou encore même enviable à l'heure où le réseau 4G n'est tout bonnement pas encore réparti sur l'ensemble du territoire? Quels sont les impacts écologiques de l'implantation et quel impact sur la santé humaine? D'ici à 2025, 10 500 sites seront équipés en France. Les installations 5G s'effectueront sur les antennes 4G, du moins au début du développement, ce qui permet de réduire les coûts pour les opérateurs. Cependant, ces installations nécessitent des équipements ultra performants, augmentant la consommation d'eau, d'énergie et l'utilisation des métaux rares. 17 grammes. Correct. Nous consommons chacun 17 grammes de métaux rares pour notre consommation annuelle d'objets high-tech. J'imagine que cela vous paraît peu, voire insignifiant. Faut-il encore connaître leur quantité sur notre planète, le moyen de les extraire et l'enjeu qu'ils représentent pour l'évolution humaine et la géopolitique mondiale? Une des métaphores de Guillaume Pitron, journaliste pour Le Monde diplomatique, qui a justement écrit un bouquin à ce sujet, est saisissante. Imaginez une miche de pain. Pour la fabriquer, vous avez besoin de différents éléments. De la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Eh bien, la farine représente la roche. L'eau, le fer, un métal que nous trouvons en grande quantité sur notre planète. La levure représenterait le nickel, qui déjà diminue en quantité. Eh bien, les terres rares, ou les métaux rares, sont les 2-3 grains de sel de votre boule de pain. Avec cette métaphore, vous arrivez certainement mieux à quantifier la présence de ces métaux rares sur notre planète et surtout la complexité pour les extraire. Aussi, nous ne pouvons non plus fermer les yeux sur la pollution qu'inflige toute extraction, quelle qu'elle soit, nécessitant des produits toxiques néfastes et pour l'environnement et pour les populations autochtones.
Vous vous rappelez certainement du tableau périodique des éléments que nous avons tous vu passer dans nos cours de physique. Ce tableau représente l'ensemble des éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant. Le but était, à l'époque de sa création en 1869, de proposer une classification systématique des éléments connus en vue de souligner la périodicité de leurs propriétés chimiques, d'identifier les éléments qui restaient à découvrir, voire de prédire certaines propriétés d'éléments encore inconnus. Nous connaissons le fer, le cuivre ou encore le zinc, qui sont des matières abondantes. Il en existe des beaucoup plus rares, appelées métaux rares, qui sont aujourd'hui l'essence même du développement des nouvelles technologies annoncées dans la Green Tech, comme possédant la neutralité carbone. C'est à partir des années 1970 que les hommes se sont mis à exploiter les propriétés magnétiques de ces métaux et à les manipuler pour faire des aimants ultra-puissants. Lorsqu'une charge électrique entre dans le champ magnétique d'un aimant, cela génère une force qui crée du mouvement. Ils sont donc aujourd'hui de toute taille, minuscules ou gigantesques, et utilisés comme moteur électrique que nous retrouvons dans tout produit technologique. Nous aurons l'air malin avec notre 12G quand il n'y aura plus d'oiseaux ni de poissons, disait l'astrophysicien Aurélien Barreau, pour nous alerter sur la conséquence de cette quête de fluidité du net. La technologie développée par la 5G va susciter un nouvel engouement des sociétés créatrices d'objets tels que les smartphones, non adaptés à la 5G. Cet effet rebond va multiplier la consommation de données, mais également l'achat de nouveaux gadgets connectés, dépendants de ces métaux. Sur une planète de plus en plus défaillante en matière de ressources, doit-on réellement se diriger vers ce nouveau développement énergivore, concurrentiel et spéculatif? D'ailleurs, en fin de mois, la vente aux enchères des fréquences aura lieu, ouvrant une nouvelle bulle spéculative en désaccord complet avec les accords de Paris et avec le respect global de la vie humaine sur Terre. Tous ces objets connectés nécessitent de nombreux métaux tels que l'argent, le zinc, le palladium et bien d'autres. L'augmentation de la vitesse de chargement suppose une envolée de la consommation. La consommation des données mobiles est un enjeu écologique à prendre en considération. Ce secteur décolle avec une augmentation de 30% par an tirée par le streaming vidéo qui représente 60% du trafic en France par exemple. Les dépenses énergétiques devraient augmenter de 35% entre 2019 et 2025. Relevons qu'à ce jour, les opérateurs n'ont fixé aucune date pour le démantèlement des réseaux 2G et 3G existants. Un autre facteur peu discuté sur la 5G est le détournement continu de l'attention humaine. La berçant d'une publicité à un film, d'un film à une série, une émission, des pubs, bref, créant un asservissement aux écrans dépassant la capacité humaine de s'en extraire, surtout au plus jeune âge, mettant la santé en danger par un manque de sommeil, une sollicitation permanente, mais également ne permettant pas d'appréhender correctement la réalité. Tristan Harris, ancien responsable du design éthique chez Google, disait « La technologie dégrade l'humain parce qu'elle a installé une économie de l'extraction de l'attention. » Au-delà de son impact écologique, la 5G est avant tout un choix de société. N'y a-t-il donc pas d'autres paradigmes, d'autres manières d'évoluer sobrement, de redéfinir notre humanité dans ces temps troubles où les menaces pèsent? Le développement technologique peut-il pallier au manque de sens de nos sociétés? Pas si sûr. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! 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 C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui! Green, comment? Oh, super green! Green aussi green que ça peut être! Green, 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 green,